arrêtez de juger les gens à tort et à travers. Savez-vous que les Blancs contactent déjà notre croqueuse diamantaire pour lui demander l'aide? Hey! Wow! Venez! Salut mes projecteurs, je suis le général Franco. Les gens vont se dire, Franco, tu as vu quoi derrière cette dame? Mais je vais vous dire aujourd'hui, je vous donne une autre image de cette dame. Vous savez, depuis qu'elle a commencé son Atalaku et son One Man Show, je donne toujours une autre image, une image un peu négative d'elle. Aujourd'hui, on va un peu voir cette dame sur un autre angle. Regardez ces images. Vous avez vu? De vous en moi. Ces sœurs qui sont influenceuses depuis la nuit des temps. Qui est déjà arrivé à un événement de cette manière? Sans rien dépenser, sans rien investir. La foule immense. Tout le monde veut. Il y a des gens même qui ne sont pas là pour de l'argent. Il y a beaucoup qui veulent seulement voir qui est croqueuse de diamants en live. Avec les yeux. D'autres veulent même seulement faire la photo. Ce que vous voyez sur Facebook n'est pas ce que vous voyez en direct, en live. Je vous explique le système de cette dame. Qui peut être propre? L'agent de cette dame. J'ai pris le temps de l'étudier. La femme là peut avoir un agent propre. Hein? Quand il va dire ça, l'agent va dire, ah Franco, qu'est-ce que tu racontes? Il dit que la femme là peut avoir un agent propre. J'ai fait combien de vidéos sur elle par exemple? Quel influenceur n'a pas parlé d'elle? Et les médias? Et les journalistes? S'il fallait payer toutes ces personnes pour communiquer sur elle. Moi-même, je devais refuser. Beaucoup devaient refuser. Tout de même, comme d'autres viennent me payer pour que je parle de leur page Facebook, je dis que non, c'est pas mon boulot là-bas. Vous voyez un peu? Alors, elle a pris le temps. Il faut féliciter son équipe. Parce que c'est toute une équipe qui est derrière ça quand j'étudie. Ils ont pris le temps d'étudier que bon. S'il faut venir aujourd'hui, dire qu'on crée des contenus, dire qu'on fait ceci, on met, on paye le community manager pour qu'il gère les pas, machin, truc, ça va nous prendre combien de temps et en combien, on va faire quoi que quelqu'un d'autre n'a jamais fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, les gars. Ça, c'est ce qu'on appelle le business. Donc, Langa a réfléchi avec son équipe que bon, prenons peut-être un 10 millions. Qui a vu la sortie de Cabana Njib l'autre jour? Après ça, ceux qui ont compris, donc, Tibla a passé un message pour ceux qui avaient les oreilles. C'est-à-dire que il débloque même un 10 millions ou même un 15 millions. Dépose tac. Les gars, farotons seulement les 15 millions-ci. Ça va susciter. Les gens vont se poser la question, mais c'est quel genre d'argent, machin, truc. Ça va susciter l'opinion publique. Ils commencent à partager. Partager. Prenons juste cet exemple-ci. Elle était invitée au Guinness quoi, party là. On n'invite pas n'importe qui là-bas. En moins d'un mois. Vous voyez que celles qui sont là depuis la nuit des temps. On n'a pas invité d'autres. Ce sont que les grosses stars qu'on invite là-bas. Elles faisaient partie des invités VIP. Mais voilà aussi la preuve. Les Blancs qui demandent à l'aide à la croqueuse. C'est pour moi que j'ai étudié que l'affaire si. Si c'est le wish. Non. Même quand vous voyez les Blancs là, faire ça là, ça peut être toujours un membre de leur équipe. Toujours pour faire que l'affaire monte, non? C'est vrai. D'autres vont se poser la question que partager l'argent pour gagner quoi? Vous connaissez ce qu'on appelle le digital? Seuls ceux qui sont sur le digital peuvent comprendre. On dit miser gros pour gagner gros. Ceux qui ouvrent les quinquéries là, vous dépensez combien pour ouvrir vos quinquéries? Les agences de voyage et ceci et cela. Ça, c'est peut-être un fonds de commerce. Quelqu'un peut prendre 15 millions, 30 millions, investir dans un business. Elle décide que bon, j'ai investi les 15 millions-ci dans mon business-ci pour être influenceuse. Nous tous, nous savons qu'une fois quand tu es influenceuse, d'un moment à l'autre, vous allez voir là qu'elle signe les contrats, soit avec les MTN, soit avec les Orange, soit avec les Eugénie de telle marque. Et où elle est. Vous voyez un peu. Et des contrats, là, coûtent combien? Quand vous voyez nos soeurs influenceuses parfois qui signent des contrats de 15, 30, 20 millions. Vous voyez qu'en un mois, elle a coiffé tous ces gens-là. Elle ne passe plus inaperçue. Qu'elle poste seulement sa photo. En 2 heures de temps, elle a au moins ses 1000 commentaires. C'est-à-dire qu'elle l'impacte. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la stratégie que je suis en train de vous expliquer.
c'est qu'elle prend un agent. Maintenant, elle peut avoir des gars. Elle est belle, non? Elle peut avoir des gars qui sont derrière, qui louent même. Même la voiture, quand on vous dit 85 000, elle peut louer même ça. Elle poste les photos. Elle roule même avec. Tout ça, c'est pour. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le business. Il faut être un businessman. Il faut avoir la tête d'un businessman comme ma part ici pour comprendre un peu le film de cette fille-là dans un autre sens. C'est-à-dire que elle loue même les voitures. Elle part comme elle a présenté l'école. Elle demande si c'est l'école de sa soeur ou elle l'aigle des fouetteurs là. Fait les photos. Elle poste que c'est mon école. À 22 ans. Donc vous voyez un peu, les gens vont se poser la question, mais d'où sont ces arts d'argent? C'est les gars. Vous allez attendre même que ceux qui prennent l'argent là vont même mourir, ne vont même jamais mourir. Pourtant, c'est même l'argent propre. Rien n'exclut que c'est l'argent de. Comme beaucoup disent que oh, c'est le femme là, machin. Réfléchissez un peu dans ce sens-ci, les gars. Essayez un peu de voir. Elle a investi. Elle a combien d'abonnés déjà en un mois sur Facebook? Elle a plus de 180 000, presque 180 000. Elle a créé des comptes partout. Elle vient vous suggérer que Dieu partage l'argent à minuit. Pour vous amener à croire que ça c'est le mauvais argent, ça c'est. Pour que vous parlez. Elle fait des pauses qui vont vous exciter. C'est ça le community manager, le management, non? Le manager, ça c'est son boulot. Il faut faire des pauses qui vont vous amener à réagir. Entre temps, Facebook booste la page. Elle est même sur Instagram. Elle est partout. Elle a les followers. TikTok, c'est la magie. En quelques semaines. Ce que d'autres. Donc, elle a réussi à faire un boulot que d'autres font depuis 10 ans. En un mois. Parce qu'elle a réfléchi. Elle a bien réfléchi. Même si elle arrête aujourd'hui de faroter, elle est déjà dans les têtes de tous les Camerounais. Elle ne peut plus passer nulle part inaperçue. Et c'est ça, le business, il faut réfléchir. Oui, quand tu te retrouves dans un milieu où tout le monde est déjà, parce qu'aucun secteur n'est facile aujourd'hui. Donc il faut développer, il faut avoir un esprit trop avancé dans tous les domaines pour arriver comme ça là, dépasser ceux qui sont là depuis longtemps. Elle a donc réfléchi dans ce sens, que je porte même un 15, même un 20 millions. Je farote seulement partout, je farote seulement. Comme vous la voyez avec les paquets d'argent, c'est un film non? Un film et un scénario non? Elle peut donc décider avec ses gars que bon, vous allez me donner les. Elle peut avoir les relations à la banque. On porte un paquet d'argent comme ça. Elle fait seulement ses vidéos avec. On filme. Après, on dit coucou. Après, on remet l'argent en place. Vous êtes à la maison, vous regardez l'argent là sort d'où. Ce n'est pas ça. Elle va commencer à signer les contrats, faire des voyages par-ci, par-là. Vous allez dire oh, vous allez attendre sa mort longtemps. Hein. Vous allez même tous mourir avant qu'elle. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vous explique là. Comprenez un peu, regardez un peu la croqueuse de diamants dans ce sens-là. Moi, j'ai réfléchi aujourd'hui, j'ai analysé, j'ai vu un peu la croqueuse de diamants dans l'autre sens-là. Le mauvais argent même, c'est difficile. Vous avez vu souvent quand quelqu'un se place en route, il veut partager l'argent de. Les gens fuient même, non? Tu veux me donner l'argent, il fuit. Mais comment se fait-il que celle-ci sort de nulle part? Personne ne sait ce qu'elle fait. Elle commence à partir de l'argent, mais les gens viennent prendre. Ne vous posez pas la question que l'argent là peut être même propre. Bref, c'est ce que moi je pense. Hein. Vous-même, dites-moi ce que vous pensez. Comme vous analysez un peu comme moi, vous me dites dans les commentaires. Eh les gars, bon, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Partage, mon frère. Si tu es nouveau sur ma page, si tu veux me découvrir, abonne-toi. On est ensemble. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.